Messieurs, bonjour. Je vous rappelle comment les choses vont se dérouler. Vous êtes ici suite à votre emprisonnement pour une expérience scientifique. Nous allons tester sur vous un nouveau gaz expérimental qui vous permettra de rester éveillé. L'air de la pièce est contrôlé en permanence pour maintenir l'équilibre oxygène-gaz. Il y a une caméra et des micros au plafond qui nous permettent de suivre le bon déroulement de l'expérience. Vous avez à votre disposition de l'eau et de la nourriture pour chacun. Messieurs, je vous remercie. L'expérience va commencer. Bon, alors les différentes choses à surveiller. Faites bien attention, vous restez bien vigilant sur l'équilibre oxygène-gaz. Le gaz VX, avec les larmes aux yeux, la transpiration, la salivation, les tremblements musculaires. On ajoute l'antidote pralidoxine pour éviter le relâchement. Là, la vidéosurveillance. Les micros placés au plafond qui arrivent par ici. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, de toute façon, je serai souvent dans le coin. Pour les haut-parleurs ? Non, on n'entre jamais en communication avec eux. Là, vous avez un cahier. Si vous vous ennuyez, vous faites ce que vous voulez. Je m'appelle Oscar. Vous faites quoi ici ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? J'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Et qu'est-ce que vous pensez du taux de pralidoxime, professeur ? Oui, ça va. Sinon, Dimitri, vous avez remarqué une évolution depuis les premiers jours ? Non, ils font connaissance, rien d'anormal. Le gaz sera vraiment efficace à partir de la fin de la première semaine. Mais je me demande quelque chose. Pourquoi avoir accepté quelque chose d'aussi dangereux ? On leur a promis la liberté. On leur a dit que si avec notre aide, ils arrivaient à ne pas dormir pendant un mois, ils seraient libérés. Ils étaient condamnés à vie. Alors j'imagine que même si l'expérience réussit, ça n'arrivera pas, non ? Qu'il y a comme mouche ici. Vous savez, je ne devrais pas être ici. J'ai tué personne. Parle pas de ça, reste concentré sur toi. Beaucoup de gens qui m'attendent quand je serai sorti d'ici. Je tiens pas à te réconforter toutes les 5 minutes. Ferme-la. Ça aide de parler. Ça fait passer un peu de temps. Je serais bien gentil, mais on n'a pas besoin de ton aide. Oui, Dimitri, le professeur Kulichnikov. Tout va bien ? Non, je vais rajouter un peu d'oxygène. Je crois que le gaz est trop concentré. 2,6 grammes de gaz VX par mètre cube d'oxygène. Oui, les proportions sont bonnes. Vous avez observé quelque chose d'anormal ? Depuis quelques jours, ils ne se parlent plus, il y a des tensions entre eux. Numéro 3 rejette tout échange et numéro 1 est très susceptible. Et ils ne se confient sur leurs impressions qu'au micro. Et comment c'est arrivé ? Numéro 1 a commencé à se plaindre de plus en plus et numéro 2 est victime de délire paranoïaque. Ça doit être le gaz. Augmentez un peu l'oxygène et on en reparle dans 3 jours. Vous ignorez, hein ?
Numéro 2 perd pied. Il s'est mis à crier pendant plus de 2 heures. Il n'aimait plus que des gémissements. Je crois qu'il s'est déchiré les cordes vocales. À mon grand étonnement, il n'y a aucune réaction des 2 autres, et plus personne ne parle. Mais quelque temps après, ils ont collé les pages de leurs livres sur le mur avec leurs excréments. La caméra ne peut plus rien filmer. Le chef pense que les micros suffisent pour continuer l'expérience. La consommation d'oxygène nous indique qu'il respire toujours. Toujours rien ? Non, j'augmente la sensibilité du micro. Il doit y avoir un problème. Ce n'est pas possible qu'aucun son ne soit émis depuis 3 jours. À moins qu'ils soient tous morts. Le niveau d'oxygène n'a pas bougé. Ils sont vivants, pas de doute. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Veuillez vous tenir éloigné de la porte et allongez-vous sur le sol à plat ventre. Sinon, vous serez abattu. Je vous rappelle, messieurs, que si vous respectez les règles, vous serez libérés. Nous ne voulons plus être libérés. Il faut intervenir, chef. On ne peut rien faire pour l'instant. J'appelle les actionnaires. Oui, bien sûr, je comprends. Mais s'il meurt, il faudra recommencer. Oui, bien sûr. Nous avons 15 jours, c'est déjà plus que suffisant. Très bien, monsieur. Très bien. On coupe le gaz. Est inactif, celui-ci. Monsieur. J'ai l'impression qu'il s'est fait ça tout seul. J'ai l'impression qu'il cherche à arracher ses ongles. Monsieur, vous m'entendez? Allons voir numéro 1. Vous avez remarqué? Il y a comme une éruption cutanée. C'est anormal, ça. J'ai pas touché, j'ai pas les goûts. C'est auto-mutilé. Regard assez vide. Gardez un œil sur numéro 2. Vous ne me ferez jamais sortir d'ici. J'ai besoin de gaz. On va vous en donner, monsieur. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je ne me suis jamais senti aussi libre. Après 17 jours d'expérience, les patients ont perdu tout sens commun. L'expérience a certes apporté de nouvelles pistes à explorer, mais les sujets ayant dû être exécutés, nous ne pouvons parler de succès.